Code barre. Le but est que le robot reconnaisse les bandes larges ou fines d'un code barre. Pour cela, le robot va traverser l'ensemble du code barre en étant rouge lorsqu'il est au-dessus d'une bande noire et vert lorsqu'il est au-dessus d'une bande blanche. On a également ajouté un détecteur gauche et droite pour que le robot reste bien au milieu. Arrivé au bout du code barre, certains LED sont allumés. Ici, les LED 1, 2, 5 et 7 sont allumés, ce qui correspond aux bandes larges du code barre. Les autres sont éteints. Deuxième exemple, on place le robot de l'autre côté. Il traverse à nouveau le code barre en changeant de couleur rouge ou vert. Puis, arrivé au bout du code barre, certains LED vont s'allumer, correspondant donc aux bandes larges, donc ici 1, 2, 5 et 7.